Bonjour à tous et bienvenue à notre Tweet and Toast de rentrée. Je suis très heureuse de vous accueillir ici aujourd'hui, vous êtes très nombreux en plus. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances, que vous êtes bien reposés pour cette fin d'année qui s'annonce pleine de tweets, pleine de belles campagnes. Et on va aujourd'hui vous mettre le pied à l'étrier avec plein de nouvelles présentations. Alors, sans plus tarder, je vais vous parler de l'agenda. On a Romain qui va nous parler ici de Twitter comme plateforme du live, de l'attention et de l'influence. Je reviendrai ensuite sur scène vous parler des nouveautés produits B2B et B2C. Et Milan, notre MC, viendra ensuite vous parler des meilleures campagnes de l'été. Et enfin, on a la chance d'avoir avec nous l'équipe Actimel qui va nous présenter une étude de cas sur la campagne Stay Strong. Et enfin, évidemment, vous aurez à la fin de l'événement les corners avec les équipes Twitter qui seront là pour vous aider. Donc vous les reconnaissez très facilement, ils ont un beau t-shirt ou un pins. Et ils seront là pour répondre à toutes vos questions à la fin. Avant de démarrer, je voulais vous parler de l'actualité du mois, c'est les Twitter Awards. Donc les Twitter Awards, c'est quoi? C'est une compétition pour les annonceurs, pour les agences, pour récompenser les meilleures campagnes dans chacun des pays. Vous avez jusqu'au 23 septembre, minuit, heure de San Francisco, c'est très précis, pour déposer vos candidatures. Et il y a 6 catégories différentes. Donc par exemple, pour récompenser la meilleure campagne live ou la campagne la plus créative. Donc là encore, on sera à votre disposition à la fin pour vous en dire plus. Et l'heure tourne, puisque comme je vous l'ai dit, 23 septembre, date limite des candidatures. Voilà, alors je vais passer la main à Romain. J'espère que vous allez passer une très bonne matinée et à très bientôt.